Sur l'arbitre, je pense qu'il y avait un VAR. Donc, pour moi, l'arbitre était correct. Même là, on peut dire qu'à un moment, il y a Amlout qui est poussé dans le 16. Donc, peut-être nous aussi, on pouvait avoir un. Mais le VAR, dans tous les trucs, et l'arbitre était très correct, à mon avis. Même sous pression en Égypte, il était très calme, très serein. Donc, il a fait son travail comme il a fait. Maintenant, j'ai aussi entendu qu'il met déjà la pression sur l'arbitre pour demain. C'est son dernier match. Des grands arbitres, ils font pas de bêtises. Ni en Europe, ni en Afrique. C'est une plateforme où des milliers, millions d'Africains vont regarder. Même les Africains marocains qui sont à l'étranger, ils vont regarder ce match. Il n'a pas l'occasion de faire des choses qui ne sont pas correctes. Donc, moi, je ne crois pas dans ça. Moi, je pense que l'arbitre, il y a une semaine, il était très correct. Et aussi, demain, ça sera très correct. Pour le joueur, jusqu'à maintenant, il n'a pas s'entraîné. Il était en soins. On va essayer cet après-midi. Mais ouais, à mon avis, ça sera impossible pour demain. Est-ce que ça va infecter l'équipe? Non. Il y a d'autres joueurs qui sont absents aussi. Le petit Raimout, aussi pour lui, je sens. Je suis très désolé qu'il est absent. C'est vrai qu'il était buteur déjà 2 fois contre eux, mais c'est le passé. Demain, c'est un autre match. Demain, c'est différent. Donc, tous ceux qui seront là, ils sont à 100%, même à 200% motivés. Et ils ont assez de qualité pour gagner ce match et nous donner la trophée.